Bienvenue chez Karina. Pour le goûter, je vous propose un gâteau à l'orange et chocolat noisette. Dans le saladier, je mets le beurre fondu que je détends quelques minutes. N'hésitez pas à arrêter plusieurs fois le batteur et de racler bien les bords et le fond du saladier. J'ajoute le sucre et le zeste d'orange. Je fouette bien jusqu'à obtenir un appareil bien mousseux. Vous pouvez très bien réaliser cette recette sans utiliser le batteur électrique. Je racle bien les bords du saladier. Ajoute les œufs, un à la fois. Très important, tous les éléments frais doivent toujours être à température ambiante. Et surtout, ne vous inquiétez pas, la liste des ingrédients et les mesures exactes se trouvent dans la barre de description. Je verse à la préparation le jus d'orange. Mélange bien. La fécule de pomme de terre, mais tamisée au préalable. La farine, le sel et la levure chimique. J'incorpore la farine en alternant avec la crème liquide. Suivant la quantité de farine, elle doit toujours être incorporée en deux ou trois fois. Vous pouvez remplacer la crème liquide par du lait ou du yaourt. Avant d'incorporer la totalité de la farine, je prélève une cuillère à soupe que je mélange au chocolat et aux oranges confites pour éviter qu'elle ne retombe au fond du gâteau pendant la cuisson. N'oubliez surtout pas de mettre le four à préchauffer à 170 degrés avant de vous lancer dans la préparation. Au final, j'obtiens une pâte assez épaisse, mais sans grumeaux. J'ajoute à l'appareil le mélange chocolat-orange confite. Mélange bien. Je verse l'appareil dans un moule en forme de cœur que j'ai au préalable beurré et fariné. Toujours beurrer les moules, même s'ils sont anti-adhésifs. Pour plus de gourmandise, je dépose sur le gâteau quelques morceaux de chocolat et enfourne pendant environ 1 heure à 170 degrés. À la sortie du four, je démoule sur la grille et je laisse refroidir. Voilà, une recette à réaliser absolument avec les enfants. Très facile et surtout trop bon. Si tu aimes la recette, refais-la et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.